Bonjour Gilbert Tagne. Bonjour mon cher Imam. Merci encore une fois de m'accueillir ici sur le site de CEDA Paris France. Bientôt, vous allez ouvrir au Rwanda, Kigali, la même chose, CEDA Rwanda. C'est pour cela d'ailleurs que je me suis déplacé de Belgique pour venir visiter votre entreprise. Et d'ailleurs, je viens de voir le laboratoire dans lequel j'étais très impressionné par la façon dont vous fabriquez ces matières, ces produits. D'habitude, je voyais les produits cosmétiques comme ça et je ne savais pas comment ça se fabrique. Et ce qui m'a vraiment briefé, que j'ai aimé, c'est qu'un compatriote africain qui est Gilbert Tagne, qui va en plus ouvrir cette entreprise au Rwanda, dans mon pays natal, et que c'est lui le fabriqueur. C'est extraordinaire. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. J'aimerais bien que globalement, vous représentez, vous présentez ces produits à quelqu'un qui va venir vous approcher peut-être au Rwanda, peut-être dans d'autres pays africains, comme un Africain qui a réussi ici à Paris en France. Je dis ce que je pense, parce que réussir ici dans Paris, un fils du pays de Cameroun ou du Rwanda ou d'ailleurs, voilà. C'est un combat. Alors, présentez-nous le produit d'abord. Le reste, c'était pour blaguer, mais vous avez compris. Ok. Mais écoutez, mon cher Imam, tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité de vous présenter ce que je fais. C'est vrai que ce que je fais, c'est une passion totale depuis 17 ans. J'adore ce que je fais. Voilà. Je travaille comme un fou parce que j'aime ce que je fais. Cette entreprise a été créée maintenant il y a 17 ans, comme j'ai pu t'expliquer. Et on est passé par toutes les phases. Oui, 17 ans. On est passé par toutes les phases. Hein, donc, une entreprise, c'est comme un bébé. Hein, donc, il y a le démarrage, c'est difficile. Mais la force et la pugnacité que nous avons dégagée nous a permis de tenir. Donc, on a acquis pendant toutes ces années beaucoup d'expérience. Et fort donc de ces expériences, aujourd'hui, le moment est venu pour nous de faire machine arrière, c'est-à-dire que retourner vers l'Afrique, justement, pour proposer l'expérience qu'on a développée en Europe aujourd'hui. C'est vrai que la France nous a donné cette opportunité incroyable d'apprendre et d'arriver, je dirais, au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et nous pensons que c'est de notre devoir de retourner vers le continent, hein, pour leur apporter les enseignements que nous avons tirés en fait, de notre vie en France depuis des années. Pourquoi vous choisissez le Rwanda ? Alors, la question est simple. Donc, après plusieurs visites au Rwanda, il y a tellement de choses à dire sur ce pays que j'ai retenu deux choses. Deux choses simplement. La sécurité, l'opportunité aujourd'hui. Pour s'inscrire au Rwanda, comment vous avez fait pour avoir vraiment les pieds sur terre? Alors, je vais vous surprendre un peu au niveau de la réponse, parce que dès le départ, quand tout était très clair pour nous, je dirais, au niveau de la réflexion, on s'est posé plusieurs questions. On s'est dit, faut-il acheter une étude de marché global sur le pays, ou faut-il procéder autrement? Mais très très rapidement, on s'est dit, la meilleure façon de comprendre, c'est de s'installer sur place. S'installer sur place pour vivre avec les Rwandais et comprendre comment fonctionnent les Rwandais. On est passé par la RADB pour la création d'entreprises. D'ailleurs, c'était exceptionnel parce qu'en 24 heures, on a pu créer l'entreprise. Mais brièvement, comment vous avez connu le Rwanda? Parce que c'est ça qui m'intéresse en fait. Oui. Un homme qui fait le business, qui a réussi ici, et qui va amener ça au Rwanda, j'ai envie de savoir. Un homme qui a réussi ici, en France, en Europe, comme vous dites, qui est d'origine africaine, avant tout. Alors, l'idéal pour cet homme, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je donne à cette Afrique qui m'a vu naître?
Eh bien, c'est que j'ai appris en France. La France m'a tout donné. J'ai appris. Donc, à mon tour, maintenant, de retourner sur le continent pour, je dirais, donner cette expérience d'apprentissage que j'ai eue. Je vous dis une chose, mon cher aimable, il ne s'agit pas simplement du business. C'est au-delà du business. Moi, je voudrais, demain, au Rwanda, que nous soyons aussi des exemples. Donc, ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je ne pars pas étant totalement tranquille, je pars avec une pression énorme. Comment? Parce que, tout simplement, je n'ai pas droit à l'échec. Le niveau de ce pays est tellement élevé que nous, on est obligés de s'adapter à ce niveau-là, et voire plus. Alors, au niveau du laboratoire et entrepôt qu'on a visité justement pour présenter les produits, vous pouvez nous en parler un peu? Parce que moi, j'ai vécu ça, j'aimerais bien aussi. Bon, au niveau du laboratoire, comme vous avez pu remarquer, je vous expliquais en fait que la naissance de l'ensemble de nos formules sortent de ce laboratoire. Ok ? Nous avons investi énormément en recherche-développement. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, quand on sort un nouveau produit sur le marché, c'est un succès. D'ailleurs, la nouvelle gamme qui est juste derrière vous, la Smooth & Shine, d'accord, en est témoin de ce que je suis en train de vous dire. Cette gamme aujourd'hui est adaptée spécifiquement aux cheveux lisses. Donc, une cliente qui va faire un lissage brésilien ou un kit défrisant va pouvoir utiliser cette gamme pour entretenir ses cheveux. J'ai aimé, hein, quand vous m'avez dit que votre focalisation, c'est les cheveux. Donc, votre client, c'est le cheveu. Oui. Les cheveux, je veux oui. dire. Oui. C'est extrêmement important pour nous, cette notion. Vous savez, quand la société a été créée, il n'a jamais été question de s'enfermer dans une typologie de personnes. Non. Aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde. La femme noire, la femme métisse, la femme maghrébine, la femme caucasienne trouve son bonheur chez nous. Parce que nos produits sont spécifiquement hydratants. Ça hydrate. Donc les cheveux secs, spécialement, je dirais, les femmes caucasiennes, comme elles font énormément de couleurs, le cheveu est asséché. Donc, oui, ça on a compris, mais si vous preniez, par exemple, un de produits ici, Je vais vous prendre, par exemple, je vous prends ces deux produits. Voilà. Une femme noire qui a des cheveux naturels, qui se dit, pendant une semaine, je vais changer de tête. J'ai envie d'avoir les cheveux lisses pendant une semaine. D'accord? Elle se lisse les cheveux avec cette crème lissante et avec le sérum. Donc les deux peuvent changer la femme. Mais complètement. Je pense que j'ai trouvé un cadeau de fin eh ben voilà. D'année. Justement. Donc ce produit sera présent, bien entendu, au lancement. Ouais. Et on va vraiment garder un grand focus dessus parce que ça change. Ça change complètement les cheveux d'une femme. Comment vous livrez les commandes? J'ai visité l'entrepôt tout à l'heure. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a surpris, parce que j'ai vu des camionnettes qui viennent chercher, j'ai vu les cartons énormes qui attendent. Oui. Et voilà, j'aimerais bien savoir un peu. Oui. Aujourd'hui, on travaille avec un transporteur national qui, en fait, récupère l'ensemble de nos commandes ici pour les dispatcher dans les différents entrepôts de nos clients. Voilà. On a pour chacun de nos clients environ 5 à 6 entrepôts à livrer. Ils passent des commandes 6 fois par semaine, donc on livre quasiment tous les jours. D'accord. Et l'entrepôt que j'ai vu ici, le labo que j'ai vu, l'équipe, ça va être comme au Rwanda? Eh bien, je vais vous surprendre. Au Rwanda, on va doubler l'effectif. Parce que notre but premier au Rwanda,
c'est de créer des emplois au Rwanda. Donc on arrive avec une machine, une vraie machine de guerre. Parce que on n'a pas été tout à fait au bout de ce qu'on souhaite faire. Le Rwanda nous permettra d'aller un peu plus loin. Dans le premier business plan qui a été établi pour le Rwanda, on va démarrer avec 50 embauches. Et je reste très confiant que 6 mois plus tard, on passera à 75. Vous avez parlé aussi de l'avocat. Oui. Pour terminer, parce que bientôt on va terminer. Oui, tout à fait, oui. En fait, c'est un gros combat pour nous, l'avocat. On s'est rendu compte dans nos analyses, en fait, que le Rwanda était un des futurs gros producteurs de l'avocat. C'est la raison pour laquelle on s'est installé dans une zone où l'essentiel des planteurs s'y trouve, à Houyé. Ouais, je suis Merci. Là-bas. Merci beaucoup. Une très belle ville, au demeurant. Voilà, donc on va concentrer une force spéciale pour la partie avocat. Notre but, c'est d'extraire, on va dire, par mois, au démarrage, 20 tonnes par mois. Vous allez me dire, 20 tonnes, ça fait beaucoup. Moi, je vous dirais, 20 tonnes, c'est pas assez. Notre but, c'est d'être capable, à l'horizon de 5 ans, de prendre une centaine de tonnes par mois. C'est ce qu'on recherche. Bien, on va terminer par là. Okay. Pour moi, c'est un honneur vraiment de pouvoir venir ici sur Paris et visiter cette entreprise et de faire connaître à travers notre journal IE le Rwandais qui va le découvrir quelques jours après au Rwanda. Ah oui. Je profite de ce moment pour vous souhaiter, vous et votre équipe, votre famille, bonne fête de fin d'année. Merci Gilbert Tarim. Merci beaucoup mon cher aimable. C'était un plaisir partagé. Ces 2 jours d'immersion m'ont permis d'apprendre aussi beaucoup de choses sur le Rwanda, des choses que je ne savais pas. Voilà, vous doutez bien qu'en 2 ans, on ne peut pas comprendre un pays. Donc merci beaucoup. Et comme on dit au Rwanda, Marakose. Voilà. Et puis. Rakazanez. Oui, ça, le Rwanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup.